déjeuner, tu as faim. Partout sur les trottoirs fument les marmites, des brochettes grillent, des crêpes sautent, des fricassées frétillent dans les poêles. La grande cuisine des hommes est disposée là, sous les étoiles du ciel et de la ville. Le 30 mai de l'année 1715, nous entrâmes dans le Tibet. Le chemin que nous devions tenir se fait entre des montagnes qui sont posées les unes sur les autres et si contiguës qu'à peine sont-elles séparées par des torrents qui se précipitent avec impétuosité du haut des montagnes et qui se brisent avec tant de bruit contre les rochers que les plus intrépides voyageurs en sont étourdis et effrayés.